Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Bon midi. Je pense bien que je suis là, mais je vais aller voir avec mon téléphone pour m'assurer que je suis bien en direct dans le bon groupe. Ça me dit que oui. OK, parfait, je suis bien là. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez hâte de débuter cette super immersion coaching qu'on vous a préparée pour les 2 prochains jours, l'équipe et moi. Alors, je suis ici ce midi pour faire une petite vidéo d'introduction et vous expliquer un peu comment ça va fonctionner pour les 2 prochains jours, quel genre d'informations vous pouvez vous attendre de recevoir ici et le déroulement de tout ça. Donc, d'abord, pour me présenter rapidement, les personnes qui ne me connaissent pas parce qu'ils ont été invités par une autre coach de l'équipe ou parce que vous avez peut-être vu passer une de mes publications et vous êtes atterri par curiosité dans le groupe. Mon nom est Mélissa Saint-Laurent. Je suis fondatrice de l'équipe Fit for Me Family. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai mon entreprise en ligne dans le domaine du coaching pour la mise en forme, la nutrition. Je suis associée avec Beachbody et on a des super solutions pour les gens qui veulent un mieux-être, autant physique, psychologique, général avec le fitness et la nutrition. Et ça nous fait plaisir de partager cette opportunité-là de, un, pouvoir se mettre en forme, prendre soin de soi, mais aussi pouvoir aider d'autres personnes à faire la même chose et pouvoir avoir un revenu en aidant ces gens-là qui atteignent leurs objectifs de mieux-être aussi. Donc, l'opportunité de lancer sa business en ligne en se joignant à notre équipe. Que ce soit avec moi à titre de mentor ou avec une autre coach de l'équipe, vous allez voir qu'on travaille vraiment en étroite collaboration. On est une équipe qui est vraiment tissée, serrée, on a vraiment un bel esprit de communauté, d'entraide, là. Vous allez le voir dans nos différentes vidéos, j'en suis convaincue. Alors, comment ça va fonctionner pour l'immersion coaching? En fait, on veut vous faire découvrir le rôle du coach. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Quelles sont les possibilités quand on veut lancer son entreprise pour gagner un revenu? Comment on gagne des sous? Quel type de formation on peut s'attendre de recevoir, là, de soutien qu'on peut s'attendre de recevoir quand on se lance à titre de coach? Quelles sont les étapes pour pouvoir commencer finalement? Qui peut être une coach? En fait, puis quel temps on doit investir à titre de coach? C'est souvent des questions qui nous reviennent des gens qui sont intéressés par l'opportunité. Puis, il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est fait pour moi? Ben, c'est un peu ça qu'on veut vous montrer à travers les différents parcours des coachs. Dès demain, en fait, il y a des gens qui nous suivent de la France, il y a des gens, la majorité qui sont du Québec. Je vais vous parler en heure du Québec, mais je vais essayer là, de faire la conversion en heure française si vous nous suivez de la France. Donc, dès demain, 6 h AM, donc en France, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 11 heures. On va avoir une première vidéo d'une coach de l'équipe qui a rejoint récemment, qui va nous partager son parcours, comment elle est devenue coach, qu'est-ce que ça lui apporte, puis un peu là, comment elle a évolué depuis ses débuts. Ensuite, à pas mal toutes les heures de la journée, je vais vous mettre l'horaire là, exact dans le groupe avec un visuel des personnes qui vont présenter. Vous allez avoir différentes vidéos jusqu'à 20 heures demain soir. Donc, en France, ça va être la nuit, par exemple. Donc, vous allez pouvoir les réécouter par la suite. Les vidéos vont être diffusées à des heures spécifiques, mais vous pouvez les réécouter à n'importe quel moment. Et je vais les ajouter dans la section Unité du groupe. Vous pouvez aller voir, là, si vous êtes sur votre téléphone. Ça s'appelle la section Guide pour certains appareils. Et là, vous allez retrouver tous les parcours des coachs de l'équipe qui vont avoir partagé leur parcours. Je vais les regrouper dans une unité. Donc, comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir aller les retrouver rapidement et les écouter en rediffusion. Ensuite, samedi, ça va être vraiment des capsules d'information à proprement dit sur l'opportunité de lancer sa business de coaching avec l'équipe. Donc, le rôle de coach, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, justement, comment on gagne des sous, les produits aussi, les solutions qu'on offre, notre plateforme fitness, Beachbody On Demand, nos programmes de nutrition, To Be Mindset, Ultimate Portion Fix, nos suppléments chouchous pour optimiser sa santé et ses résultats. Donc, on va vous présenter tout ça. Ça va être des vidéos qui vont
peintes faites par moi-même, Joanie Méthotte et Sandra Bédard, qui sont des coachs avec qui je collabore régulièrement. Et ça vous permettra vraiment de vous faire une idée plus précise de l'opportunité et savoir si vous avez le goût de vous lancer ou non au sein de l'équipe pour lancer votre entreprise aussi. Vous allez voir que c'est une opportunité qui peut convenir à différentes réalités. Qu'on veuille le faire à temps partiel, qu'on veuille le faire à temps complet, qu'on veuille simplement même profiter d'un rabais. Il y a le trois quarts, je pense, des coachs dans l'équipe qui ne font pas nécessairement d'activité d'entreprise, d'activité de coaching. Ils vont seulement vouloir profiter du rabais sur les produits, les programmes, parce que ben on a la possibilité d'avoir un beau 25% de rabais quand on s'inscrit coach. Puis, ben si on veut aider quelques personnes par-ci, par-là, ben on peut proposer nos solutions puis avoir une commission sans pression. Donc, les objectifs, c'est nous-mêmes, on se les crée, on n'a aucun minimum de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une opportunité qui peut convenir à différentes réalités, qu'on soit maman, qu'on soit déjà avec un autre emploi. Vous allez voir, Joanie a sa garderie en milieu familial chez elle. Donc, elle a tous les jours 6 enfants à sa charge. Puis, elle a quand même son entreprise de coaching au travers ça, des enfants qui sont dans les sports. C'est possible là, de concilier le tout en fonction de nos objectifs et de nos réalités. Peu importe aussi l'âge qu'on a. On a des coachs dans l'équipe qui sont très jeunes, qui font le coaching en étudiant. Il y a même des coachs qui sont retraités et qui font ça par hobby. Vraiment, on a différentes réalités. On peut être maman ou non. Puis, on n'est pas non plus obligé d'avoir atteint nos objectifs santé pour pouvoir devenir coach. Souvent, c'est quelque chose qui va revenir. Est-ce que, tu sais, je peux pas devenir coach? J'ai vraiment beaucoup de poids à perdre. Ben justement, au contraire, vous allez le voir dans l'histoire de Joanie, entre autres, Joanie, quand elle a décidé de se lancer comme coach, c'était à sa remise en forme postpartum, puis elle s'est dit, ben ça va être l'opportunité pour moi de me motiver moi-même et de gagner un revenu en aidant des gens. Donc, à travers notre parcours, à travers la constance que les gens voient sur les réseaux sociaux, à nous voir tous les jours faire nos entraînements, ben voir aussi évoluer, voir nos résultats, notre corps changer, notre bonne humeur qui apparaît, notre grand sourire, ben tout ça, ça parle beaucoup puis ça inspire les gens à vouloir entreprendre aussi une démarche. Et vraiment, c'est à travers notre parcours qu'on va être ultra inspirant. Donc, pas obligé d'avoir déjà atteint ses objectifs fitness, puis pas obligé non plus de ne pas avoir d'objectif fitness. Moi, c'était un peu mon cas quand je me suis lancée. J'avais absolument pas de poids à perdre et je me disais, ben les gens me feront pas confiance. Ils vont se dire, elle peut pas me comprendre, cette fille-là. Tu sais, elle passe pas par les mêmes étapes que moi. Mais je pense que on a toutes des croyances limitantes à l'intérieur de nous. Puis, c'est juste normal. C'est de l'inconnu. Ça fait peur. Mais je pense que si on veut vraiment, puis qu'on a des intentions sincères et profondes, qu'on a ce désir-là de vouloir aider les gens à se sentir bien avec des solutions fitness et nutrition. Mais peu importe qu'on soit, quel âge on a, la taille qu'on a, qu'on a des objectifs atteints ou non, ben on va trouver une façon de pouvoir aider ces gens-là puis de les inspirer à notre façon. Puis ça prend vraiment différents types de coach. Puis il faut pas qu'on soit toutes pareilles parce que dans le monde, on a différents types de personnes, puis on va pas non plus plaire à tout le monde. Puis c'est correct, puis c'est normal. Mais par contre, il y a des gens qui ont besoin d'exactement qui on est avec notre personnalité, avec nos caractéristiques pour pouvoir puis on va les inspirer parce qu'ils vont se reconnaître à travers nous. Donc c'est important d'être authentique, d'être nous-mêmes, puis de ne pas se mettre des barrières à cause de différentes choses de notre parcours, de notre réalité. On a tout le potentiel de pouvoir inspirer quelqu'un et vraiment c'est la beauté de cette opportunité-là, c'est que ça peut vraiment convenir à différentes réalités. Puis j'espère que c'est le message que vous allez percevoir à travers nos parcours dès demain, à travers nos vidéos d'information samedi aussi, et que ça vous donnera le goût de vouloir maintenant de redonner au suivant aussi, puis vous joindre à notre équipe. Donc, voilà en gros ma vidéo d'introduction. Je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà
fait un programme de Beachbody qui peut-être vous êtes déjà dans un de nos groupes défis, peut-être que vous avez jamais entendu parler non plus. On vous a posé des questions hier dans la vidéo, dans la petite capsule d'introduction, à savoir d'où vous venez, est-ce que vous avez déjà fait un programme, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'opportunité. Mais ça serait vraiment le fun d'apprendre à se connaître un petit peu plus. Puis des fois, ben le monde est petit, hein, puis on peut trouver des personnes qui on a un petit lien à quelque part. Je discutais hier avec Manu, puis elle me disait: Ah, je me suis aperçue qu'on a un ami en commun, elle est maman de jumeaux aussi, puis finalement, c'est la meilleure amie d'enfance à mon conjoint. Tu sais, où ça arrive régulièrement là, qu'on va trouver, où je parlais aussi avec une autre, Sonia, puis elle me disait: Ah, mais j'ai de la famille à cette île, puis finalement, on finit qu'on trouve des liens. Donc, c'est le fun de pouvoir justement savoir d'où vous venez, votre bagage, si vous avez déjà fait un programme de Beachbody. Puis si vous avez des questions, vraiment, c'est le moment de les poser, parce que, ben, le but de cette immersion coaching-là, c'est de répondre à vos questions, puis que vous ayez une idée claire dans quoi consiste l'opportunité et pouvoir décider si oui ou non c'est une opportunité qui peut convenir à vos objectifs de vie et tout ça. Donc, rendez-vous dès demain, ici même, dans le groupe, pour des vidéos ultra inspirantes de différents coachs de l'équipe. Et samedi, les vidéos d'information. Puis on va conclure ça dimanche avec une vidéo comme ça, live dans le groupe de conclusion, où je pourrai répondre à vos questions si vous en avez, puis je pourrai vous donner les étapes pour la suite. Alors, je vous souhaite un bon jeudi, au plaisir de faire cette immersion coaching avec vous, et j'espère que vous allez être inspirés de tout ça. Et je vous dis à bientôt. Bye!